Donc voilà, c'est parti, pêche en étang communal, nous sommes en Sologne. Je me suis trompé, c'est pas dans le reste, ça fait partie de la Sologne. Petit étang assez grand quand même. Il paraît que c'est surpeuplé encore, donc on va voir ce que ça peut donner. Là, je vais pêcher avec une ligne de 22 centièmes. On va partir sur du Ptolémou direct. Voilà, Clément il est pendu. Donc c'est un membre qui me suit sur Facebook et on s'est décidé de faire une petite pêche ensemble. Voilà, on est sur un étang communal en Sologne. Les poissons sont bien combatifs. Il y a une petite coco prise par Clément. Donc ça ne mordait pas en poste fixe, ni à l'anglaise, ni au cou. Donc je suis parti en stalking, faire un petit tour autour du plan d'eau communal, voir si j'arrive à faire un ou deux poissons, mais ça va être difficile à mon avis. Donc là j'ai rechangé de poste, je me suis mis sous l'arbre à long, parce que les trois quarts de l'étang y a pas d'onde. J'ai eu 2-3 tapes, c'est pas vraiment violent. J'ai fait un amorçage à la graine cette fois, j'ai fait pois chiche, un minnow fisher et mooster crab. Le on mix avec du maïs. Je suis en 22 centièmes et les poissons ils hésitent encore. Je suis en hameçon de 10. Magnifique. J'ai rien préparé. Elle a endormi la carpe. Super poisson. Voilà un poisson pris au thon rail à dumbbell de chez Escapèche en étang communal. Je crois que c'est la commune de Bouzon si je ne me trompe pas, en Sologne. Et je remercie Clément pour son accueil. Super sympa. On se fera d'autres pêches je pense. Sublime poisson, franchement, des écailles magnifiques. Bon, il est un peu abîmé, mais bon. Donc, je me suis renseigné un petit peu auprès du président. Pour l'étang, donc il fait 1 hectare. L'année dernière ils ont rajouté 400 kg de carpe et ça fait 9 ans qu'il n'a pas été vidé. Ils savent pas trop ce qu'il y a dedans, il y a un sacré cheptel de carpe, donc c'est super agréable, c'est 7 € la journée. Et ce qui est plus pratique encore, c'est que vous avez un camping qui est juste derrière moi là. Donc vous avez accès au camping directement par, il y a un petit passage, vous pouvez venir pêcher. Donc c'est à 1 heure de Paris, c'est pas très loin. Et franchement, vous êtes en pleine Sologne, au calme, je vous le recommande.
Ça sera le dernier poisson de la journée, pris au pelet mou. Un petit carpio, pris au pelet mou. La session s'achève ici. Demain, on va se retrouver sur un autre étang dans le Loir-et-Cher. J'ai passé une super journée en compagnie de Clément. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!